Saint-Jean-d'Angély. Et puis elle sort au podium final, donc il sera avec Jonathan Barraga. La belle-mère et son chapeau à fleurs. Je veux que derrière, sur l'autoroute, ce soit un véritable tsunami. Car voici, mesdames et messieurs, le vainqueur de la Le team manager de l'équipe de Sébastien Pourcel s'appelle Roger Pourcel. Alors, tout de suite, non, pas lui. Alors, à gauche, l'autre fois. Alors, en troisième position, on va maintenant accueillir le président du motoclub angérien, qui est à la tête de ses 500 bénévoles et une dizaine de professionnels. Ce président de club est un président heureux. C'est vous qui m'avez donné tout ce bonheur parce que vous avez répondu présent à son invitation. Alors je veux créer pour lui aussi le président de notre club angérien, Jean-Marie Bonsoulet. Et c'est évidemment avec beaucoup d'émotion que nous allons accueillir notre partenaire suivant. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il est ravissant. Elle est aussi à la tête de la communication de notre assureur préféré. Le retour dans le monde de notre cross, la AMV. Voici Cécile qui va récompenser Cécile Becquet pour la communication. Cécile, je vous en prie. Je suis sûr que vous avez beaucoup d'entendre envie de changer de contrat d'assurance maintenant. Hein. Je comprends pourquoi. D'ailleurs, Roger, il a changé tout de suite. La caravane, le camion. Donc, Roger, il m'a lavé là. Attention. Bon, plus sérieusement, après avoir salué le charme et surtout l'efficacité, eh bien, nous allons retrouver maintenant, pour récompenser le vainqueur, le président de la Fédération française, le vice-président de la Fédération internationale, Jean-Pierre Ligue. Le président de la Ligue motocyclisme régionale, Michel Figé, pour saluer le président. Tout de suite, la plaque de leader du championnat du monde, puisque le championnat du monde, vous le savez, il y a une sorte de maillot jaune qui est en fait une plaque rouge. La plaque rouge de leader du championnat du monde. Particulièrement agréable à entendre. J'espère que vous allez vous aussi accompagner ce numéro 1 du top 50 aujourd'hui, car maintenant voici le La Marseillaise. Et
avec tout le respect que nous devons à l'hymne national du constructeur, voici l'hymne national japonais. Ce n'est pas la Red Bull, là c'est la transparente bulle.